Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous montrer deux fonctionnalités qui pourront être très utiles pour votre jardin. La première est la manipulation des vivaces, tandis que la deuxième concerne l'espacement personnalisé. Commençons par les vivaces. Si vous avez déjà des vivaces dans votre jardin, voici ce que vous pouvez faire. Vous pouvez sélectionner l'icône de la plante désirée dans la liste des cultures et simplement les glisser aux endroits souhaités. N'oubliez pas de sauvegarder une fois que vous avez ajouté vos plantes vivaces. Au cours du processus d'optimisation, l'algorithme prendra en compte les plantes existantes dans votre jardin et assurera les interactions optimales avec les cultures nouvellement ajoutées. Après l'optimisation, vous avez la possibilité d'échanger les tuiles ou d'ajuster leur position. Cela peut être fait pour répondre à vos préférences personnelles ou si vous remarquez un léger chevauchement dans votre résultat. Si vous souhaitez refaire l'optimisation, vous pouvez soit sélectionner tout effacer ou relancer le fichier enregistré avec les vivaces et appliquer les modifications souhaitées. Sélectionner tout effacer supprimera toutes les tuiles, y compris les vivaces que vous avez précédemment placées, d'où la raison pour laquelle il est recommandé d'enregistrer un fichier avec vos vivaces déjà situés à leur emplacement. La deuxième fonctionnalité est l'espacement personnalisé. Higher Nature propose par défaut un espacement recommandé pour chaque culture afin d'optimiser sa croissance. Au cas où un changement est nécessaire, vous pouvez cliquer sur le cercle comprenant le chiffre et par la suite sélectionner Valeur personnalisée. Vous pouvez donc par la suite indiquer la valeur qui correspond à votre jardin. Les nombres sont indiqués en millimètres dans le système métrique ou en pouces si vous utilisez le système impérial. N'hésitez pas à nous laisser du feedback en pesant sur le bouton vert ici. Merci beaucoup et passez une excellente saison de jardinage.